Toi qui fais partie des 50% à regarder mes vidéos mais ne pas être abonné à la chaîne, abonne-toi, je te vois. Toi aussi je te vois. Toi, oh qu'il est mignon ce petit chat. Mais je te vois quand même, abonne-toi. Sinon je bah rien en fait. Mais abonne-toi. Et puis active la cloche de notification, c'est très important quand même. Ah bah oui, faut pas l'oublier. Ok. Bienvenue dans mon nouveau chez moi, dans mon nouveau bureau. C'est là où on va tout reprendre, pas à zéro. Mais je vais essayer de reprendre comme avant, sauf les dégâts extrêmes, je pense. Ça, on va passer à autre chose, hein, parce que je vous jure que... Bonjour à tous et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Tiens, c'est bizarre, c'est la première fois que je sors ça, ça fait quand même bizarre. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que ça fait encore bizarre. Et j'ai plus trop l'habitude, en fait. Là, maintenant, avant, j'ai enregistré en faisant les courses de ligue. Et la dernière fois que j'ai enregistré juste comme ça, ça date de 3-4 mois. Bref, encore bienvenue dans mon bureau. Bon, c'est pas un 100%. Il y a juste le meuble qui est demi avec le volant SF1000 de chez Ferrari. Il y a mes petits meubles là, qui traînent par terre. Il manque un petit décor là, les petits circuits. Je vais les mettre les petits circuits là. Il manque les LED. Enfin bref, rien n'est fini à 100%. On va dire que je suis à 30%. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iRacing. iRacing a sorti cette nuit, si je me trompe pas, en ce 8 décembre. Là, non même pas, avant 8 décembre, hein, 23h, un truc comme ça. Là, Mercedes W12. De 2021 sur iRacing. J'ai piloté avec hier soir. Elle est juste insane. On va aller voir ça ensemble. Alors par contre, je m'excuse parce qu'on va jouer en triple screen, mais vous allez voir juste le volant et les moitiés des pneus. On va se retrouver sur la piste. Je vais vous montrer la petite bête. Et après, j'espère que on pourra faire une petite course. En plus, c'est sur le circuit de Spa. Rien de tel pour bien commencer. Et voilà la bête, la W12 de Mercedes F1 2021. Salut poteau. Elle est là, elle est de toute beauté, elle est quand même magnifique. Hein. Juste à rien qu'à voir avec le dashboard, les détails et compagnie, c'est quand même incroyable. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire pourquoi l'antenne, il est bleu, pourquoi le capot moteur où c'est écrit AMG dessus, il est bleu, je ne sais pas. Moi qui a roulé dessus hier soir assez tard, c'est super bien fait. Même les pneus, les détails des pneus, là vous voyez. Il est brillant, c'est que le pneu est neuf. Ce qui est dingue, c'est quand même, c'est que sur F1 2021, ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas faire ça, mais quand vous roulez, bah, la brillance, elle disparaît. Mais ça, c'est quand même... Vous dites quand même, iRacing est, date de 2007. Hein. Hein, il y a souvent des mises à jour, c'est très bien. Codemasters, on est en 2021, ils ne savent toujours pas faire ça. Posez-vous les bonnes questions, quand même. Oh. Merde, je voulais vous faire pivoter la voiture. Mais là, on me lance dans la session de course. Merde. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais jouer comme ça. Donc, comme j'ai dit, je vais jouer en triple screen. Donc, vous aurez que cette vue du milieu. Hein. Vous aurez à peine les pneus. Vous avez le volant. On va juste voir les pilotes de devant. Il y a le halo devant. Très bien foutu. Hein. Même le volant. Le volant est très bien foutu. Hein. En vrai, les détails sont quand même incroyables. Merci. Hein. Si tu veux pas que je présente la voiture, tu me dis hein, le jeu. Il hein. Y a aucun problème. Hein. Non, là, je suis en train de jouer avec le différentiel. Regardez, je suis en train de jouer avec le différentiel. Et regardez sur la molette, c'est en train de se changer également. On voit pas le pouce bouger, mais on voit bien la molette en train de bouger. Ça, c'est pas mal, c'est drôle. Voilà, on peut changer. Là, bah, comme on est en qualif, soit c'est en mode qualif, soit c'est pas de déploiement. Sinon, aux essais, vous avez balance, qualif, etc., etc. Et en course, ça doit être pareil, sauf le mode qualif. On a assez parlé, on va sortir des stands. On va quand même faire un tout petit tour. On va mettre le mode pas de déploiement pour le tour de sortie. Et on se retrouve après sur la ligne d'arrivée pour le premier ou deuxième tour chronométrique, on verra bien. Par contre, le son est quand même insane. Hein. Bon, bizarre, ma molette ne fonctionne plus pour mettre le déploiement. Qualif, on va faire ça à la main, c'est pas grave. Je changerai ça avant la course. Je peux plus mettre le... Ah, je suis dans la sauce. Ah, je peux pas mettre le mode qualif. Ah yes, bon bah je suis un peu dans la sauce hein. On va faire une qualif sans le déploiement qualif. Tant pis, on va faire avec le talent. Oh non, oh la sauce. Bah il y a pas mal d'erreurs, mais pour un premier tour de roue de la journée, c'est pas mal hein. Allez vite, à 3 secondes, ouais, je pense que le temps sera pas comptabilisé malheureusement. On va essayer quand même hein. Ah bah non, ok. Mais vraiment un kiff hein, de rouler sur ce circuit avec cette voiture. Hein. C'est vraiment pas mal. Du coup, on part combien? Et surtout, il y a combien de pilotes? 4, 25, 26 pilotes. Ouh, 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 ouh. 19 secondes. Allez, c'est pas grave. On va partir avec le talent. Premier départ ici sur le circuit de Spa-Francorchamps avec cette Mercedes W12. Ici, sur iRacing, les feux qui s'allument.
Et le départ qui a été donné avec un peu de lag, 40 FPS alors que j'ai une 3080, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Ça a cassé. Bonsoir, non. Ok, remake. Oh la vache. Ouf. Pardon, oh bah non. C'est pas cool du tout, hein. Attention, les pneus qui sont pas à température. Je me suis pris un 9-track, hein. Ouais, bah d'accord. Là, va falloir que je lève le pied. Ne rentrez pas dedans, s'il vous plaît. Ne rentrez pas dedans, faites votre course. Aïe, aïe, aïe. On va y aller tranquillement, parce que je ne connais pas la voiture sur les conditions course, on va dire. Et surtout que je sais pas quelle est la propreté des pilotes qui sont devant moi. On va prendre notre mal en patience. Alors par contre, ce que je voudrais... Voilà, c'était en mode attaque. Est-ce que là, je peux... Oui, je peux rechanger. Je peux rechanger le déploiement. Oh, attention, ça attaque avant. Blanchiment à l'extérieur sur Blanchiment. Un peu à la Max Verstappen. Pardon. Oh, ça passe. C'est magnifique. Il y a trois voitures qui sont sorties au bus stop. Ok, bonsoir. Oh la vache. Blanchiment l'extérieur, les gars. De toute beauté. Je vous ai déjà demandé de vous abonner, de mettre un like. Non? Bah alors faites-le s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on a mode build. Je pense que c'est recharge, attaque. Ok, on a que trois modes. C'est bien. Bon, je vais me mettre en balance. On va essayer d'attaquer un petit peu en même temps. Pas trop non plus. Mais la voiture est très très stable, hein, avec le setup de base. Mais par contre, ça demande beaucoup d'entraînement, hein, pour la dompter un petit peu. Cette voiture, c'est quand même l'une des meilleures machines de la saison, hein, avec Red Bull. Allez, on va se mettre en mode attaque si je peux. Je peux plus rechanger. Pourquoi je peux pas rechanger mon mode de déploiement? Ah, je sais pas s'il y a un bug ou un truc comme ça. Non. J'ai cassé la voiture. Bon. Aïe, l'erreur des débutants. Aïe. C'est inofficiel. Oh, ça va. Je vais pas perdre de points, c'est cool. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, on repart je sais plus combien. Le feu qui sera allumé ici sur le circuit de Spa. Toujours avec la W12, le départ qui a été donné. Beaucoup de patinage. Oh la vache, oh c'est compliqué. Très compliqué. Que ça va se crash, je crois. Ah, s'il vous plaît. J'ai pas attendu autant de temps pour que me foute au tas. C'est en train de se foutre au tas. J'ai eu un mini contact, mais ça n'a pas forcément compté, on va dire. Allez, on y va. Bon, finalement, j'ai remarqué un truc. C'est qu'en fait, il y a plus un bug. C'est pas un bug de déploiement, en fait. C'est en fait, vous avez une limite de déploiement. Vous voyez sur le volant de la Mercedes, c'est écrit Deploy 4. Et sur le tour, durant la course, vous avez une limite de déploiement. Mais je crois que ça s'ajoute au fur et à mesure des tours, si je me trompe pas. Si j'ai bien remarqué ça en qualif. Attention. Toi. Oh, pardon. Oh la vache. Elle a décollé la bagnole, j'ai rien compris. Attendez, je me concentre. C'est le premier tour, du coup les mecs ils sont archi chauds, on va dire. Mais lui par contre il m'inspire pas forcément confiance. Donc là du coup je suis en mode attaque pour ces premiers tours. Et après on va se mettre en balance. Et vous allez voir quand je vais changer le mode déploiement, ça va écrire 3. Donc du coup vous avez une limite, quoi. On est un peu loin pour faire l'extérieur comme tout à l'heure. Sur notre adversaire, il a freiné beaucoup trop tard. J'ai cru qu'il allait lui refaire l'arrière-train. Par contre, j'ai tellement merdé mon freinage. Allez, c'est bien, on a déjà fait le premier tour, c'est pas mal. On est dans le top 10. Ok, attention, ça s'est un peu loupé. Par contre, la phase d'accélération sur avec cette voiture, pardon, elle est assez complexe. Il y a comme un limite de...
une limite, une espèce, pardon, de d'anti-patinage pour éviter que la voiture elle part, mais c'est quand même assez tendax hein, sur les phases d'accélération. On est toujours à 60. Oh, je peux te rester en attaque pour l'instant, apparemment. Oh, j'attaque tellement que je suis bien ressorti des combes. Attention à l'intérieur, attention, ça s'écrache. Ok, la voiture à l'extérieur, c'est bon. Très bien. On a fait un dépassement, c'est beau. Alors, j'ai peut-être divagué finalement. Hein. On gagne pas un point en plus sur le mode déploiement. Donc, va falloir jouer. Oh, speed. Non, reviens pas sur la piste comme ça. Merci. C'est chaud. Alors attendez, si je diminue, enfin si je me mets en mode balance, admettons, hein, on se met en mode balance sur le RS, est-ce que la limite n'est pas de 4? Hop, voilà, je suis en mode balance. De toute façon, ça zigzague devant. Oh, par contre, à Pouhon, c'est un régal, hein. Pour une fois, je me suis pas loupé au freinage. DRS ouvert sur Alex. Par contre, les phases d'accélération, j'ai tellement peur. Ouais, donc j'ai bien raison. Donc la limite, c'est vraiment 4. Et tu récupères un point par tour pour le point de déploiement. Donc tout à l'heure, on était à 3. Donc là, si je veux, je peux me mettre en mode attaque. Hop, avec le DRS ouvert, on y va. Pleine balle sur Alex. Ah, lui aussi, je pense qu'il est en mode attaque. Donc pour revenir, yes, bonsoir. Ok. Ok, j'ai compris un peu l'histoire du déploiement. Bon, ça s'est touché, je crois, je suis pas sûr. Accélération, attention, je le vois à côté de moi. Je le vois à côté de moi, attention. Perez et Ocon. C'est bon, je suis passé. Ou Gasly Perez. Il va falloir lever pied parce qu'il est pas à fond. J'ai peur. Car contact. Il y a un petit car contact. Oh, il a perdu l'aileron avant derrière. Coup dur. Ah non. Bah non, c'est revenu en fait. C'est juste un bug. Par contre, il va falloir que je me remets en balance parce que j'ai plus de batterie. Oh, ça a cassé. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ces... Mec, j'ai encore un mini car contact, mais ça n'a pas forcément compté le point. Donc normalement, on devrait pas avoir de dégâts. Mais waouh. Oh, la stupidité des mecs. Oh, je suis deuxième. Ah, tout à l'heure, c'est le premier qui a dû se crash avec le... Un retardataire à la con, pardon, mais... Oh merde. Ok. Ah ok. Tout change maintenant. Il reste plus que 5 tours. Je suis deuxième. Le premier est juste devant nous. Pour une première. Enfin du moins une deuxième. La première elle compte pas. Je me suis craché tout seul. Vous avez rien vu. Allez, je me mets en mode balance. Oh il s'est freiné. Oui il s'est loupé pardon le freinage. Il a du mal en phase d'accélération, mais je vais jouer intelligemment. Passe devant. Allez. Oh, on retrouve Verstappen, Hamilton, Jeddah 2021. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ah, par contre, je crois qu'il s'est mis en mode attaque. Il rigole plus, le petit père. Il rigole plus. L'enfoiré, il a bien joué. Je le vois plus avec le... Ok. Alors, il reste 2 tours. Oh, il m'a fait peur comment il freine hyper tôt par contre. Ah, même pas. Ok, non, en fait, tu peux utiliser les 4 modes déploiement en une course. Enfin, en une course sur un tour.
Et une fois que tu passes la ligne, tu récupères les 4 points. Ok, j'ai compris. Allez, du coup, on peut jouer. On va se mettre en mode attaque. Le DRS ouvert sur Finlay. Attention sur la ligne droite de Kemmel. Le freinage qui va être décisif. Oh, le contact! Le contact entre les deux leaders! Hamilton vers sa patte be-like! Je suis désolé, j'ai freiné beaucoup trop tard. Ah, je suis pas étonné si j'ai des dégâts. Oh putain, j'espère qu'il a pas de dégâts, le pauvre. I'm so sorry, guys. Allez, mode attaque, c'est pour maintenant. On y va. À l'aspiration, j'espère que la batterie va tenir jusqu'au bout de la ligne droite de Kemmel. Bon, ça risque d'être tendu. Ça risque d'être tendu. L'aspiration, DRS ouvert. Acte 2. Oh, il a bien freiné, hein. Oh, le bougre. Ah, il sait pas faire, hein. Oh, qu'est-ce qu'il sait pas faire. Mode attaque. Oh, il est sorti large. Non, mais merci en build. Oh non. Oh, l'aspiration. Oh, ça va pas. Ça va jouer de rien. Ça va se jouer de rien, malheureusement. Pourquoi j'ai les laissé. Ah, fait chier. Là, ah, c'est pas grave. De toute façon, on gagne rien. Hein. On gagnait rien au final. Mais bon, il a bien joué quand même sur la fin. Je pensais qu'il avait des dégâts, le beau. Aïe, 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 aïe. Dommage. Quel dommage. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'oubliez pas, hein, toujours lâchez votre plus gros like, laissez-moi un commentaire. Puis abonnez-vous si vous êtes nouveau, c'est gratuit, ça mange pas de pain, tout le monde peut en profiter. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo ou un live sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, bientôt les 10 000, et comme ça on débloque le swap up. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée à tous. Que de bonheur, que de bonnes choses. Et à bientôt sur la piste. Au revoir.